Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part ça va nickel, comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui de retour. Vous reconnaissez l'emblématique Silver Star derrière moi bien évidemment. On se retrouve sur le serveur Europa Park Minecraft pour une toute nouvelle vidéo. Pour eh bien la présentation finalement festive. Ah oui oui oui. Je suis désolé, la musique qui se lance tout seul. Justement, la saison festive de Noël sur Europa Park. À Europa Park dans la vraie vie bien sûr, mais à Europa Park Minecraft également. Ça fait très plaisir, regardez la neige est là hein. La neige est là que sur le jeu en tout cas. Mais joyeux Noël. Non mais ça fait super plaisir. Donc les gars, on va un petit peu découvrir. J'ai privatisé le serveur exprès hein, donc il n'y a absolument personne sur le serveur. J'ai privatisé Europa Park pour pouvoir eh bien me faire plaisir. Alors du coup bien sûr Europa Park, pour ceux qui ne connaissent pas Europa Park Minecraft, donc une reproduction relativement fidèle, vraiment à 75% pour le moment du vrai parc d'attractions. Il manque par exemple une affiche ici avec écrit Mkolo en grand. Voilà, je propose un petit peu des idées pour le serveur. J'avais vu que là aussi il y a voilà, il n'y a pas d'affiche. Vous pouvez écrire Mkolo en grand, ça peut rendre vraiment pas mal. Ils ont également reproduit Rolantica du coup pour le coup. Et ils ont refait tout bien les menus hein, quand vous regardez spectacle, animation, vous avez le calendrier des événements. Tiens bah ça c'est parfait. Oh là là, voilà. Et là on peut voir les événements. Alors au moment où la vidéo sortira du 28 novembre au 4 décembre, eh ben c'est trop tard. Voilà, donc là c'est oublier ce qui est écrit. Mais voilà, comme ça vous pouvez voir, il y a vraiment des événements très régulièrement. Vous voyez que moi, bien demain il y aura un nouvel événement à 20h si je comprends bien. Donc les événements d'hiver, n'hésitez pas à aller sur le serveur vraiment. Je mettrai l'IP en description bien sûr. L'IP d'ailleurs qui doit être, voilà, play.ep-minecraft.eu. Donc vraiment n'hésitez pas, il y a des événements très régulièrement. Surtout bah voilà, avec la saison festive, enfin la saison hivernale. Ils ont tout redécoré en mode hiver, donc on est là pour découvrir ça les amis. Moi ce qui me fait kiffer vraiment c'est que quand je vais sur leur Discord pour regarder, tu vois tous les salons de staff qui sont blindés, ils sont tous connectés, ils sont en train de taffer d'arrache-pied. Donc voilà, oh c'est merveilleux, c'est merveilleux. Oh là là, j'ai envie d'avoir une copine. On va rester célibataire. Donc voilà un petit peu, putain c'est mignon par ici bien sûr. Le premier bloc posé ça ne bouge pas. Voilà, incroyable. Attends, on va faire une photo à l'entrée du parc comme le font tout le monde. J'adore. One journey, many destinations. Et oui, on voyage à Europa Park, hein. On voyage. Et alors ils ont refait, c'est ce qui va m'intéresser un petit peu aussi au-delà de la déco parce qu'on est là vraiment pour se balader. Ils ont refait une attraction, à savoir le bobslide si je dis pas de bêtises. Enfin, je sais que c'est ça mais est-ce que c'est le vrai nom du truc? Moi j'appelle ça un bobslide. Donc si c'est bien ça, ils ont refait et ils l'ont fait en mode hivernal. Tiens chérie, tu peux me prendre en photo s'il te plaît? Viens, on fait un selfie tous les deux. Regardez, hop. Et là je me mets comme ça. Excusez-moi, je suis un aigri. Hop là, clic, voilà, petit screenshot qui est fait. Magnifique. Voilà, donc pareil, ils ont refait les menus tout bien. Alors, t'as la boutique ici. Moi, j'ai pas d'argent. Et voilà, quartier attraction, tu vois tous les différents quartiers. Et justement, c'est le quartier suisse qui a été un petit peu refait. Alors, de toute façon, c'est à l'entrée du parc, donc on va y aller en se promenant. On est là pour ça, de toute façon. Mais voilà, c'est super, super stylé. Allez, c'est parti, bienvenue à moi. Ah, mince. Ah. Ah ouais, let's go. Et on y est. La place de la femme, c'est la... La place principale. La place principale de l'entrée, bien sûr. C'est beau. Ah, c'est vraiment très joli. C'est vraiment très joli. Oh là là. Féerique. Féerique total. Allez, on va un petit peu se promener. C'est vrai que bah, de base, j'y suis allé qu'une fois à Europa Park. Et puis, je suis même pas allé en saison hivernale, bien sûr. Mais ça doit être chiant parce que les coasters, ils sont fermés quand il fait froid, du coup. C'est terrible, ça. Parce que je sais que, par exemple, le Blue Fire... À peine il pleut, il est fermé, alors j'ose même pas imaginer quand il y a du gel. Voilà. C'est tout joli, c'est tout mignon, c'est incroyable. J'ai un peu peur moi pour les droits d'auteur là avec la musique. C'est vraiment terrible. Très bien. Oh là là. Oh ça a changé. What? Je connais pas du... Ah ouais d'accord, donc ils ont fermé... Ils ont fermé, on peut pas aller là-bas. D'accord. Là c'est là où il y a les madames avec la peluche. On a un sens de visite obligatoire. Est-ce que c'est comme ça dans la vraie vie? J'imagine que oui. Hein. Faut vraiment savoir qu'ils reproduisent de manière fidèle Castro. Donc, ok, je sais pas où que ça mène là-bas, mais je pense que c'est pour... Moi, ça me fait peur. Je vais pas dans les endroits que je connais pas. Je vais suivre les flèches, hein, ce sera très bien. Ok, d'accord. On a des boutiques, j'imagine, de type Noël qui ont été aménagées exprès pour l'occasion.
Ah, parce que pour le coup, c'est pas par là qu'on passe. Là, on a justement le grand, les bancs qui sont sur les côtés, la grande place avec. Bonsoir, je sais plus comment ça s'appelle. Une fontaine, bien sûr. Voilà, et là, on peut aller là. D'accord, mais pourquoi ça a été fermé? Ça a été fermé juste pour inciter les gens à passer devant les boutiques. Putain, si. Eh, les Allemands, ils perdent pas le nord quand même, hein. Entre la place de parking à 50 balles. Ah, mais attendez, il est là le. Pas du tout. Pas du tout. Bah, du coup, je suis perdu. Moi, j'ai pas l'habitude de passer par là. Je sais pas où on est. Et heureusement qu'on a la carte pour nous aider. Putain, ils ont également refait donc toute la carte, évidemment, en version hiver. Avec de l'eau gelée, du coup. Incroyable. Bon, on va continuer de se promener. Ah oui, on est là, mais je comprends pas. Bah ouais, parce qu'on a fait un détour, donc forcément ça me fait bugger. Là-bas, on a la maison de l'horreur, là, je crois. Si je ne m'abuse, on a la maison de l'horreur qui doit être là-bas. Ouais, c'est ça. Bon, évidemment, là, elle est fermée, hein. Pour des raisons somme toute évidentes de Noël. Je suis perdu, c'est même pas là où je croyais qu'on était, en fait. Parce que la boule, elle est là. Ah, là. Ah oui, la boule qui a été décorée, du coup. Oh, incroyable. Incroyable. Le moulin rouge. Mais il est là, le bobsleigh. Qu'est-ce que... qui... Mais elle est où, l'entrée? Je sais plus où est l'entrée. New Winter Achievement Unlocked. Entering the Adventure. Oh. Hey! 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 Tout le monde! Tudu! Tudu! Je sais pas du tout où je suis, je ne sais pas du tout où je vais. What? Mais je suis passé par la sortie là? Je suis vraiment passé par la sortie là? Non mais c'est une blague! Non mais alors là, il va falloir arrêter de se foutre de ma gueule, hein. Moi j'ai... What the fuck? Mais arrêtez de vous foutre de ma gueule, l'entrée elle est là. Mais tu sais que tu peux te perdre à Europa Park, premier degré, hein. Moi Europa Park, je suis sûr j'y vais tout seul, je suis perdu, hein. Vive le vent d'hiver qui s'en va tout en soufflant dans les grands sapins verts. Oh! Vive le vent, vive le vent. Vive le vent d'hiver. Mais c'est une blague, elle est là l'entrée. Tout en soufflant les grands sapins verts. Je vais péter mon crâne. La 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 la. Et bien voilà. Ah, c'était pas évident l'entrée. Wouh. Ça c'est pas une de droit ça, je le sais. Schweizer Winterbauban Pete Bichten. Faites attention. Pas de problème, moi je fais toujours attention, surtout que ça glisse, hein, finalement. Alice, ça glisse, on est au pays des merveilles, ça tombe bien. Bravo Francky, c'est par ici bien sûr. Voilà. Alors, Europa Park, temps d'attente, closed. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'attraction est fermée là? Attends, parce que ils m'ont vendu le truc que comme quoi il a été rénové. Donc, s'il est rénové et qu'en plus je viens de voir le ride opérateur, donc pour les anglophobes, ça veut dire l'opérateur du ride. Donc pour les anglophobes, ça veut dire l'opérateur coaster. Donc ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Merci monsieur. Merci madame, pardon. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La 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 la. Ah, ça m'a serré les couilles. Let's go. Donc il a été rénové, hein. Vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça fait kiffer. La 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 la. Ça va, chérie? Ouais, normalement, c'est moi qui est censé la prendre entre mes jambes. D'ailleurs, on est d'accord que ça se fait à deux. Parce que là, il n'y a pas la place pour être à deux. Je comprends pas, il n'y a pas la place pour être à deux. Ça a changé, peut-être. Ça a peut-être changé. Regardez, c'est écrit France. Et c'est moi qui comprends rien ou quoi? En fait, ça fait tellement longtemps que je suis pas allé à Europa Park, je crois que tout a changé et que je suis juste débile en fait. Et je passe vraiment pour un bouffon. Parce que c'est plus comme avant, voilà. C'était mieux avant. Je rigole. Allez, let's go! Il n'y a pas de musique, il n'y a rien. C'est bien dommage. Let's go! Ça va glisser, ça va glisser. Alice, ça glisse. Ouais! On a la vue sur la boule. On a vu sur la petite attraction à gauche que j'ai jamais fait. Voilà. La grande tour, j'allais dire la tour infernale, pas du tout, c'est la tour panoramique ici.
Let's go! Ah oui, c'est comme ça descend et ça monte, je me souviens même plus du layout. Voilà, je parle un peu comme un coaster fan finalement, hein. Je suis un coaster fan. Donc voilà pour le layout, hein, bien sûr, avec le drop, hein, le right drop and now le left drop, hein, parce qu'il faut parler anglais, hein, pour être un vrai coaster fan, hein, tu peux pas dire ça en français. Voilà, sinon. Voilà, ouais! C'est super cool! C'est super cool! Incroyable! Ah ouais, bah ils ont refait ça en mode de Noël. Par contre, du coup, je sais plus. La première fois que j'ai découvert leur bah le bobsleigh justement sur le serveur, c'était avant qu'il fallait mettre la musique, hein, c'est trop tard maintenant. Bah, tu pouvais continuer quand même. Mais je sais plus si c'était si c'est peut-être mieux fait maintenant, j'en ai aucune idée. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, là, évidemment, ça a été refait de manière hivernale. Ah, Deutschland! En fait, chaque wagon a un pays, et moi, comme par hasard, j'ai le pays de moi. Le meilleur pays du monde, bien sûr, la France. Allez les bleus, bien sûr. Donc voilà. D'accord, ok. Je savais même pas que c'était comme ça, mais je pense que ça a changé les wagons aussi parce que avant on pouvait être deux dedans. Et là, j'ai pas l'impression qu'on peut être deux. Ça n'a rien à voir. Moi, c'était déluge, moi, quand je l'ai fait. Là, ça ressemble pas à déluge. Je suis un peu débile, hein, je pense. Bien sympa. Bien sympa. C'est vrai qu'il est pas si fou que ça, ce truc. Dans la vraie vie, je parle aussi, hein. Ah, scheiße. Ah, scheiße. Non, pardon, mais c'est parce que j'ai une prononciation de merde, alors ça me fait marrer. Mais oui, en vrai, c'est vrai que le bobsleigh, en vrai, c'est pas le truc le plus fou du monde. Je me souviens juste que c'était le tout premier coaster que j'avais fait, et forcément, quand t'étais à deux et tout, enfin, c'était ultra stylé, quoi. Je crois qu'il y a plein de trucs spéciaux, mais je les ai plus en tête, et donc j'ai un petit peu l'air con. De toute façon, je suis tout seul, mais je sais qu'il y a un truc, il y a une patinoire, je crois. Non, il y a un truc de ski. Je crois qu'il y a un truc de ski, une école de ski. Si je dis pas de bêtises, il y a une école de ski. Voilà. Et voilà, ils ont fait ça sur le serveur, donc. Donc pourquoi pas? Alors je sais pas où c'est, de toute façon je suis tout seul donc il y aura pas hein, probablement, mais voilà, il y a une école de ski si jamais ça vous intéresse. Est-ce qu'on peut peut-être voir l'école de ski? Vegan. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver! Je suis en roue libre. Bon bah c'est bien. Hop! Même pas le droit de s'asseoir, non mais c'est un scandale. Les bancs ils sont tellement froids, je peux même pas m'asseoir. Bah, en tout cas, voilà un petit peu l'aperçu du serveur en version hiver. Oh, j'avais jamais vu ce flat ride. Ah oui, c'est un flat ride, hein, bien sûr, messieurs, dames. Hein. Eh oui, non mais c'est sympa. Voilà, bah, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, bien sûr. Le serveur est en description, les gars, en 1.16.5. N'hésitez pas vraiment. Bah ouais, moi je pense tout simplement que c'est fermé parce qu'il fait froid. En hiver, c'est pas ouvert. Voilà, ça rejoint ce que je viens de dire dans la vraie vie, c'est que ça doit être chiant Europa Park en hiver. Sans déconner. Genre ouais, c'est super chouette, Noël, tout machin. Mais en fait, bah y a plus rien, tu peux plus rien faire. Tu payes 50 balles le parking, 100 balles l'entrée, la consommation sur place. Et tu peux même pas faire de coaster. New Winter Achievement. Ouais, j'ai un nouvel achievement. Wesh! C'est quoi ça? Let's go! Wouhouhou! Trop yamba! N'oubliez pas le pouce bleu, encore bravo à toute l'équipe, bien sûr! Et puis vraiment tout le staff qui sont à fond là, je les vois sur Discord, comme dit, ils sont connectés tous ensemble. Je me dis, comment ils font pour s'écouter tous? Ils sont beaucoup trop nombreux dans les salons. Incroyable! Allez, je vous fais plein de bisous! N'oubliez pas le pouce bleu, tout est en description, c'était Mkolo. Ciao tout le monde!